So Good Media. Ouais. Donc tu m'as dit quoi? Tu m'as dit... Ouais. Bah ouais, mais j'imagine, ouais. Donc c'est Adriano, Rolex, Remix. Au début, t'avais dit... Ouais. D'accord, ok. Ok. Donc midi pour 14h, quoi. Ok, d'accord, ça marche. Bon, ouais, on est dans le 9-2, 9 Dakar N, avec Beautiful Art. On est là, putain. On est là, je dis Adriano, son nouveau clip. Rolex, Easy. Donc, ils m'ont appelé pour venir figurer dans son clip. Et on est là, quoi. On est présent. Bonjour à tous, c'est Marjolaine sur So Good TV et pour So Good Media. Donc là, je suis dans les rues de Paris. On va retrouver une personne que vous allez reconnaître qui s'appelle Brahim Tavares, alias B3O, le sosie de Booba, et je vais passer 24 heures avec lui. Donc là, je suis en bas de chez lui. On y va. C'est parti. Allez, venez avec moi, on y va. On fait trop de bruit et on va aller retrouver Brahim. La cour, on n'est plus très loin. Même dans l'ascenseur, il y a un code, donc c'est hyper sécurisé. Je suis enfin arrivée devant chez Brahim Tavares, donc je vais le chercher, venez avec moi. C'est ici, qui est juste derrière cette porte, donc je sonne, j'y vais. Oui, ça ouais. Va Brahim? Ouais, ça va, tranquille. Bon, qu'est-ce qu'on va faire là? Bah là, je me prépare et tout, et bon, on va passer à la MTQ. Ok, bah je t'attends. Ah, vas-y, ok, ça marche. Donc Brahim est en train de se préparer, on va partir en séance de musculation, sa salle de sport. Il prend son sac et on y va. À tout de suite. Ça y est, Brahim arrive. Alors Brahim, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bah aujourd'hui, je vais partir à salle de muscu. Trois heures de sport pour Brahim, donc c'est intense, mais bon, pour ressembler à des désos, il faut se donner les moyens. Exactement, c'est ça. Et après la salle de sport, qu'est-ce que tu vas faire? Bah après c'est le sport, on va partir au studio pour alors je commande un petit son, quoi. Je suis sur le palier de Brahim Tavares, toujours, et on a entendu des voix qui nous interpellent, des gens qui chantent, c'est assez sympa, donc on va aller voir ce qui se passe chez les voisins de Brahim. On y va. C'est So Good Media. Oui. Vous étiez voisin de Brahim. Ça va quand même, oui. Bonjour. On vous a entendu en fait un peu chanter, c'est bien de là que sortent ouais, les voix. Ouais, ouais, c'est là. Vous êtes artiste, chanteur? Ouais, même chanteur amateur quoi, mais ouais. D'accord, mais en tout cas c'est très bien tout ce qu'on a entendu. Ah bah merci beaucoup, c'est gentil. Au niveau du voisinage, alors qu'est-ce que ça fait d'être le voisin d'un sosie de Booba? Bah ça va, c'est cool, hein. Franchement, voilà, c'est cool, non, il est sympa, donc voilà, tranquille. Donc ça se passe bien? Ouais, bah, ça se passe très bien, oui. Pour l'instant, pas trop assailli par les gens, non, les ça fans. Va, pour l'instant, non, c'est calme, donc ça va, donc il n'y a pas de soucis. Merci. Dure et froide journée aujourd'hui, je suis toujours avec Brahim Tavares, qui a reçu un coup de fil de Dans Ma Poche TV. Il y a tout le monde qui l'appelle, plein de médias, donc il est très demandé, voilà. Tout le monde le suit, tout le monde découvre de ce phénomène, plein de vues sur internet, sur YouTube, tout ça, donc je le laisse travailler, je l'attends et après on va se rejoindre. Bon, bah on a enfin la salle de sport, il m'a fait courir, Brahim, tes journées elles sont vraiment pleines, là on est à ta salle de sport, je vais te laisser descendre, comment ça se passe là pour, normal, je vais bien au courant jusqu'ici, j'ai
bien, moins la nature et vers le sport. Et donc là, on a enchaîné bien chaud pour partir à la muscu, entraîner. Bon, bah, moi je vais te laisser ici pour l'instant, parce okay, que moi le sport ça fait deux. Ouais, donc, moi j'aime bien être au calme et tout, pour pouvoir faire ma salle de muscu. Donc là, c'est muscu privée quoi. Donc en mode concentration, ouais, pousser la fonte. Voilà, exactement, ouais, pour former un petit corps quoi. Ok. Voilà, ici. Bon, bah plus tard, hein, je te laisse y aller. Allez, ciao. Bah, je sais pas combien de temps je vais l'attendre parce que, bon, quand on est sosie de Booba, forcément, faut y aller niveau sportif. Moi, je le laisse faire. Il fait froid, mais bon, c'est pas grave, je vais attendre dehors. Hein. Allez, à tout à l'heure. Une petite collation, je vois que tu es en train de manger. Voilà, petite collation et tout, offert par la boîte de production. Hein, offert si gentiment. Donc pour résumer la journée d'aujourd'hui, je suis partie chercher Brahim ce matin chez lui. On a filé à la salle de sport. Entre temps, on a eu des journalistes qui l'ont appelé pour une interview. D'ailleurs, Brahim, qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce que c'était cette interview? Bah en fait, ils m'ont appelé pour savoir à propos de ce qui s'est passé avec Fresh Montana. Comment se fait que j'ai réussi à avoir une photo avec lui. Et aussi ben, me présenter devant leur caméra. Ce que tu vas faire, on va au studio, c'est ça? Ouais, donc là je vais partir à un studio, je serai seul et essayer de travailler sur un petit deck, un petit son quoi. Je pourrais pour faire la surprise quoi. À un groupe de fans que j'ai commencé à réunir sur mon Facebook, quoi. Qui sont en train de me suivre et qui sont intéressés par ce que je fais. Quoi. Ok, bah on y va, c'est parti. Bon, bah on arrive à destination. Il est où ton pote tout à l'heure? Parce que là, mon pote, il est resté à la salle de muscu. Donc après, on va le rejoindre tout à l'heure pour le showcase. Il nous rejoint ce soir. Ouais, ce soir sur les champs et tout. D'accord. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on va faire là? Je me rends à mon studio d'enregistrement. Voilà, c'est dans le 93, c'est à côté de la salle de muscu. Mm-hmm. Et on va pour finir de travailler un petit son. Quoi. D'accord. C'est des gens qui t'ont demandé de poser des voix. Voilà, c'est ça. On va poser de la voix et essayer de voir comment ça va se passer. Ok, bon, moi je te suis. Merci. On y va. Enfin arrivé à l'endroit fatidique, où est-ce qu'on est? Explique-nous tout. Donc là, on est arrivé à mon studio où j'ai travaillé sur un petit son. D'accord. Qui va s'appeler un nouveau morceau qui va s'appeler Excaliburn. Excaliburn, voilà, comme ça. C'est ça. Et ça va être un petit son marrant et en même temps festif. Quoi. D'accord. Ouais. Bon, bah, je vois que t'es bien équipé, tout est prêt, tout est allumé, je vais te laisser aller travailler. Et derrière, c'est là que je fais mon son. D'accord, bah écoute, c'est parti pour l'enregistrement d'Excalibur. Ça va. Easy, criminologie, Boulibi, 9 de riz. Easy. Mais négro, vous êtes où? Boulbi on est sous. C'est B3O dans la place. Bah ouais mon rein. Tu vois je veux dire ou pas? Easy. Bientôt la fin du monde. Easy. Wesh, moret. Bah ouais, négro, tu vois ou pas? Attends deux secondes, Morel. Toujours avec B3O, Brahim Tavares. Bon, là, il est en train d'enregistrer. Est-il aussi bon que le vrai, le Benito BA international? Ça. Brahim Tavares. Ouais, B3O.
B3O est dans la maison, easy. Wesh, Moret. Wesh, Moret. Wesh, Moret. Wesh, Moret. En tout cas, cette journée avec toi, Brahim, c'était assez fatigant, mais c'était intense. On a eu la salle de sport, les interviews, je suis allée le chercher chez lui. Voilà, donc là, on va aller se reposer, je pense. Non, pas pour l'instant, parce qu'en fait, j'ai un showcase de prévu, donc à Bastille, sur les champs, je veux dire. Toi, je confonds maintenant les soirées, tellement ça tellement ça s'enchaîne, ça s'enchaîne j'imagine et tout, que... ça s'enfile. Et c'est vrai que de plus en plus, je suis demandé... par des boîtes, des chichas, que je vienne leur faire un petit show, quoi. Faire le show, voilà, pour faire le show en tant que Brahim, sosie de voilà, moi. Exactement. Donc voilà. Ce soir, c'est sur les champs, donc t'es voilà. En showcase. Mm-hmm. Donc ça va, t'as pas trop la pression? Non, ça va, après c'est t'as l'habitude. Hein, voilà, c'est une question d'habitude. J'arrive, je mets mon son, je dégomme tout, quoi. D'accord. Voilà, quoi. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour avoir Brahim... en show, où est-ce qu'on peut te retrouver, te contacter et surtout suivre tout ce que tu fais? En fait, ils peuvent me contacter sur Facebook avec ils tapent Sosie Plouba, Brahim Tavares. Et donc là, ils peuvent me retrouver et c'est dessus que je mets toutes mes photos, mes vidéos et c'est là-dessus même que j'annonce mes futurs showcases, quoi. D'accord. À travers la France. Bon, on va suivre ça, donc le Facebook Brahim Tavares. Bon bah il faut aller se préparer, c'est ça? Voilà, en mode soirée. Voilà, c'est ça. Ok, bah c'est donc, parti. Ok, c'est parti, ça marche. Ok. Ici. Allez, on y va. On est sur les Champs-Élysées, il fait nuit et je vais m'apprêter à retrouver Brahim Tavares, le sosie Plouba. On a passé une journée très chargée avec lui. Tout se passe bien. Un truc, c'est pour ça. Je trouve un truc, c'est pour ça, c'est tout. D'accord. Et vous pouvez pas passer avec toi par hasard? Si, à Cuba. Non, voilà. Si, à Cuba, c'est pour ça que ça a arrêté. Bah, c'est vrai que la ressemblance est frappante. Get le cœur! Merde, Jackie! On a une amie qui arrive. C'est qui? Reconnais, Pédo! Je connais pas, c'est qui? C'est mon quartier. C'est votre quartier. Ouais, je connais. Et c'est que de là-bas que je vais aller caler et puis il y a qui encore? Avec les voitures qui s'arrêtent et tout. C'est vrai Bouba là. Ça va quand même. C'est vrai Bouba. Ça va, je suis choquée. Ouais, c'est vrai, le pire c'est que j'écoute un peu cette musique, mais je m'attendais pas à le croiser en fait. Ça m'a choquée quand elle m'a dit non, ça veut dire les quelques. Ouais, parce que c'est cool, on fait des photos et des souvenirs, c'est cool. Ah, mais là, j'ai rien. Mais non, c'est bon, il y a un gars qui m'a
il est 1h du matin. Non, mais... on est là dehors, on a les crocs. Ouais, il est à tout bas. Easy. Là, on part en soirée. Ouais, on est venu faire une petite soirée dans la boîte, comme ça, avec des amis. Tout ça. D'accord. Ouais. Et tu vas rejoindre du monde ou ça se passe comment ce soir? Bah non, en fait, tu rentres comme ça. Normal. Ok, ouais, bon, bon, c'est parti, je te suis. Vas-y, on va faire un petit show et tout là-bas. Au fond. Difficilement, je trouve le sommeil. Mon point derrière le soleil, et mon L au dehors du côté.
américaine. J'ai un visa américaine. J'peux t'apprendre bien tout au mi-week-end. Ça m'est très bien. Tout le week-end. Ça m'est très bien. Tout le week-end. Tant d'un tout le monde sur les quais. Pour avoir ses vrais sous les quais. J'ai rien à dire. J'ai rien à fichuel. J'ai rien à voir en fichuel. T'as le choix d'être à la distelle. Or tu n'es pas une faculté. C'est sur le temps sans carapitaine. On tombe dans mon lunette de soleil. Ça les branches comme à Marseille. Ma question préférée. Que je vais faire de tous ces soleils. Voilà, c'est à petit, ça se fait le chemin, ici. Allez, bonne nuit. Ciao.